que la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est donc voilà, une naissance vraiment que l'on fête chaque année et qu'on vraiment on glorifie donc notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est un honneur aujourd'hui de venir donc participer donc à cette célébration. Et donc nous prions que donc cette naissance de Jésus-Christ vraiment augmente notre foi. Donc ce que je retiens, et donc c'est juste que nous devons donc perfectionner donc notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous abandonner donc à lui, car c'est lui donc qui est donc il est donc la lumière, il est donc le chemin. C'était une belle messe, ouais, avec le prêtre, le curé qui nous a donné de bons enseignements. Ça s'est bien passé et puis on se réjouit de la fête de Noël. Voilà. Ce que je retiens de plus, c'est la vérité. Comme il a dit, la vérité, il a parlé de la vérité. On a banalisé la vérité maintenant. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup frappé et j'ai pensé à beaucoup de choses que je ne veux pas dire. Parce que fête Noël, fête Bréle, n'y a pas qu'à bouger fête. Il y a l'année fait qu'il a tué Bré. Je suis vraiment contente. Que les gens comprennent que la vie se résume sur du concret. Que les gens comprennent que la vie, c'est pas l'extérieur qui compte, mais c'est plutôt le cœur, l'intérieur. Que les gens travaillent à être honnêtes. Que les gens travaillent aujourd'hui à dire la vérité. La vérité, c'est très important. Comme l'a dit le prêtre, c'est une fête incommensurable, qu'on ne peut pas mesurer avec quoi que ce soit, mais c'est une démarche de foi. Et donc aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes heureux, très heureux vraiment de nous retrouver en famille, autour vraiment de la parole de Dieu qui nous guide chaque jour. Mais cette démarche de foi est quotidienne. Elle n'est pas que Noël seulement, mais je dis Noël c'est chaque jour. Ça, c'est un rappel pour que chacun sache que aujourd'hui nous sommes des chrétiens et nous sommes venus dans ce monde pour repartir. Mais le Seigneur nous a montré cette voie par son Fils qui est venu nous montrer vraiment que Dieu nous attend. Hein, Dieu nous attend et donc je suis très heureux vraiment de venir autour de nos pasteurs, vivre cette fête-là et vivre cette parole chaque jour. Hein.